Salut, salut les gars, comment est-ce que ça va? Comment est-ce que ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Parce que là, ça y est, on arrive à la mi-juin. Mi-juin et puis bah voilà, moi je suis toujours confiné dans ma maison, voilà, avec ma belle entorse. C'est pas évident à vivre, hein. Franchement, je vous cache pas, c'est assez relou. Je pensais pas que ça aurait de tels impacts d'avoir une entorse comme ça, mais bon, écoute, c'est comme ça, surtout, bah, on va dire, t'as physiquement, certes, je peux pas marcher, mais moralement aussi, c'est un peu, on va dire, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir bah, faire ce qu'on veut, quoi. Donc voilà, les gars. Bon, alors là, ce que je vous ai sorti, c'est donc encore une fois de plus, parce que je crois que je vais en finir. Je vais en finir avec elle. Je vais en finir avec ces deux-là. Avec les Zeltax Power 1959 et les Mania Transpulse 1500. Vu que là, en fait, si tu préfères, je me suis mis un petit peu plus loin, histoire d'avoir plus de recul à l'écoute. Et en ayant plus de recul, t'as encore. Bah, t'as beaucoup de choses qui te sautent aux oreilles. Enfin, moi, pour moi, voilà, il n'y a pas grand-chose qui a changé au niveau de mon point de vue. Mais voilà, ça me semblait intéressant de pouvoir faire une écoute un petit peu plus loin. Là, tu vois, je dois être à 4, 4,50 m, un truc comme ça. Donc voilà. Tiens, regarde. Je te montre un petit peu la distance. Voilà. Tu vois. Schlack. Voilà. L'ampli utilisé. Bon, bah, le Luxpan, comme toujours. Sauf que là, je l'ai mis à poil. Tu vois. Donc, tu vois un petit peu comment il est fait au niveau de l'intérieur. J'avais posté une petite photo du bestiau sur mon compte Instagram. Bon, voilà. Bah, il fonctionne toujours. Hein. Je suis vraiment content de cet ampli. Parce que malgré l'âge, il est toujours bien portant. Et ça, c'est bon. C'est plutôt bon signe. Alors, donc là les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer une petite session de 4 musiques. Donc 4 musiques différentes que voilà, je vais switcher aléatoirement. Et vous verrez donc les rendus. Donc j'ai fait en sorte de passer 4 sons vraiment bah, complètement différents. Le premier, ça va être du metal, rock metal. Le deuxième, ça va être de la voix féminine, du jazz voix féminine. Troisième, ça va être de l'électro, électro house. Et puis quatrième, ça va être que du jazz instrumental. Et sinon, après, la dernière musique, ça va être un morceau de rap US. Voilà, donc t'as vraiment voilà, 5 musiques différentes. Voilà, avec chacune, bah, chacune son propre, on va dire, qui va donner soit l'avantage ou pas à une des enceintes. Et voilà, ça permet de voir aussi la polyvalence. Donc ouais, voilà, pour moi les Zeltax, elles sont toujours en dessous des Maniates. Même globalement, tu vois, les Zeltax, c'est dur à les faire chanter comme il faut. Bon, la dernière fois, tu vois, j'avais mis du tube, ça s'était bien passé. Bon, bah, avec du tube, parce que voilà, t'as le tube, en même temps, il t'apporte pas mal de choses, j'ai envie de te dire. Mais voilà, ça change pas qu'il y a toujours ce. En fait, pour moi, le médium, il est un petit peu en retrait. T'as l'aigu qui va être assez acide. Par contre, là où les Zeltax, je trouve qu'ils ont bien réussi, c'est au niveau du haut-parleur de grave. Le haut-parleur de grave, il est vachement impactant. Les enceintes descendent plus bas que les Magnat. Au niveau du grave, ça descend plus bas. Mais voilà, après, bon, bah, comme je vous ai dit, hein, ça me rappelle un petit peu comme à l'époque les Serwin Vega, les VE15 que j'avais eu et que j'ai revendu peu de temps après parce que musicalement, voilà, c'était pas top du tout. Et voilà, là, les Zeltax, elles sont pas mal. Comme je t'ai dit, sur un style de musical en particulier, comme je t'avais fait écouter là sur une vidéo. Mais voilà, après, en dehors de ça, voilà. Après, elles peuvent être bien pour si tu veux taper une petite soirée. Voilà, tu fais péter le watt. Parce que vraiment, là où elles me surprennent, c'est qu'elles pulsent vraiment. Hein. Elles ont vraiment de la patate. Donc voilà les gars, bah tiens, je sais pas, je vais peut-être vous faire une deuxième vidéo pour vous balancer le son. Là, c'était vraiment le petit on va dire un petit ouais, verdict final de ces deux enceintes, surtout des Zeltax, parce qu'après, tu vois, je pense que je vais les moi je pense que je vais les revendre, parce que voilà, j'en ai fait le tour. C'était un peu ça aussi le but, hein, de les avoir achetés. C'était surtout pour pouvoir vous aiguiller au mieux pour tous ceux qui seraient intéressés par ces enceintes-là. Tout comme je l'ai fait au début avec les Magnates. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont acheté bah, du coup, grâce à mes vidéos, grâce à mes conseils que j'aurais pu donner sur ces enceintes-là. Et là, pour les Zeltax, j'ai envie de. Bah, je fais toujours dans la même démarche, dans le sens où
Celui qui veut les acheter. J'allais dire celui ou celle, mais non, il n'y a pas de femme dans la hi-fi. Enfin, moi, sur ma chaîne YouTube, tu vois, il n'y a aucune femme quasiment qui regarde. Enfin, il doit y avoir 2%, je crois. Donc, c'est vraiment très léger. C'est pour ça que je dis ce. Pour vous, les gars. Et donc, voilà, bah, les Altax. Après, je leur dirai au revoir. Puis en plus, ça me fait de la place là dans la maison parce que j'ai beaucoup trop de matériel. Il y a des choses, voilà. Même les magnats, hein, je te cache pas que j'aimerais pourquoi pas les revendre. Pourquoi pas les revendre plus tard, mais les magnats, c'est vrai qu'elles me servent un petit peu de base avec d'autres enceintes. Si jamais il y a d'autres enceintes qui sortent avec un 38, tu vois, c'est toujours bon de les garder, je pense, comme ça. Parce qu'à mon avis, il y aura d'autres enceintes qui vont sortir avec un 38 à des prix corrects. Quand je dis correct, ça peut être ouais, 1000, 1005, mais voilà. Après, franchement, avoir un 38 avec une enceinte qui peut être tablée sur, on va dire, 2500 euros en neuf, 2000, 2005, ça pourrait être. Quand je te dis ça, c'est vraiment avec un travail derrière bah, sur les haut-parleurs, voilà, avec le filtrage, enfin tout qui va avec. Pour le plaquage, bon, je ne demanderai pas forcément un plaquage parce que ça, on sait que le plaquage, ça coûte cher directement sur l'ébénisterie. Mais voilà, avoir un nouveau genre d'enceinte quoi qui change un petit peu. Parce que là, voilà, les Eltax, je te dis ça, ce sera pas du tout pour tout le monde. Vraiment, voilà. Il y en a, ils pourront s'en contenter parce qu'ils ont peut-être pas, je sais pas s'ils ont écouté beaucoup de choses, beaucoup d'enceintes ou quoi dans leur vie. Après, c'est l'expérience aussi qui fait que moi j'apporte ce point de vue-là. Donc, au moins, associer les Eltax avec un ampli-tube déjà pour avoir quelque chose de plus cohérent et plus musical. Et voilà, ne pas mettre un ampli sec sur les Eltax, plutôt je conseillerais plutôt un ampli doux. Et puis bah voilà, hein, après voilà, pas plus pas moins les gars. Pas plus pas moins. Bon, tu vois, je voulais me présenter devant vous, mais non, je suis pas en état. En plus là, tu vois, il fait quand même chaud, donc je vais rester en calebard tranquillement derrière ma caméra. Et voilà, on va pas bouger, hein, on va pas bouger. Voilà les amis. Bon, bah, en tout cas, j'espère vraiment que ça va de votre côté. Et puis bah, après, au niveau des vidéos, je voudrais entamer d'autres vidéos. Je sais plus, je voulais faire. Ah oui, avant de revendre les Eltax, je voulais faire, tu sais, les vidéos test pro, comme je t'avais dit. Donc de les tester avec bah, les autres. Avec les autres, là, les Serwin Vega. Les Serwin Vega, les Infinity SM255 et puis les JBL 240i. Faire juste un test bah, comme ça avec où il n'y a que la prise de son au micro qui fera foi. Voilà, sans mon intervention. Voilà les gars. Bon, bah allez, je vais vous passer le petit son. J'espère que j'aurai le temps parce qu'après je vais devoir. J'ai ma petite femme qui va venir me chercher. Et puis je vais devoir bouger. Donc voilà, ça va être un peu short au niveau des vidéos, encore une fois de plus. Je sais pas pourquoi je m'y prends toujours à la dernière minute, c'est le manque de motivation aussi qui fait ça ces derniers temps, mais bon. Voilà. Bon, en tout cas les gars, à très vite et je vais essayer de vous passer le petit son.